గురవే గౌరచందాయ రాధికాయ కరాలయ కృష్ణ సదభక్త యం ప్రాప్యం సమనుపే సమతే ప్రకృతం వైపాయనో విరకాత్రయాజునా పుత్రేం చి తన్మే తయా సర్వో వినేదు Explaining the shloks of Srimad Bhagavatam and Kanto, 9th chapter. Krishna was not satisfied by taking milk from his father. In the meantime, Mother Yashoda saw that nearer to her some milks that overflowing on fire. So Yashoda took off Krishna from his lap, her lap, and told that he should sit here. Though Krishna has caught her tightly with his whole power, supreme power, but Yashoda very easily he took Krishna on his lap and he kept Krishna there. And she ran to say that milk was going fire. You know that all things, all articles, praise, creeper, milk, water, all are Satyidanandamaya in Vrindavan. So milk was thinking, oh, Srimati Yashoda has endless milk in her breast. And Krishna's stomach is empty, whole world can be there. So very big place. So always Krishna will take the milk, but milk will be endless there. And his empty stomach will not be fulfilled.
So lakhs and lakhs times months and years. Krishna will take milk and Yashoda will give milk. It will be endless. So I will have no chance to serve Krishna. So uselessly, I don't want to be without service of Krishna. So I should die. So he is jumping in milk. Fire. No need of getting life. Like Narottam Thakur has prayed. Enova achaya pran sishu lagya Narottam that we have come to this world to serve. And that's super Shukna. In that Golok Vrindavan, all are serving. But they want to serve more. And if not serving, then useless life. So in this world, if we are human beings, and we are anyhow not serving Krishna, chanting, remembering, your life, our life is useless. So Narottam Thakur is taking. That is why I am here, not chanting, remembering him. So I should die. But I am not dying. It is my fault. Because I am more wretched than stones and other things. My heart is like a stone and not melted. So, milk is thinking that I am useless, so I should die, jumping in fire. Yashoda Sahib, Mother Yashoda, his mother, very, very kind. And I had to be causeless mercy. Oh, am I stopping my serving to Krishna? And I will engage you. So this is Guru Tattva. Serving Krishna and Krishna. Gurudev, serving Krishna and Krishna. I know Gurudev. I am Gurudev, I am Gurudev. I know Gurudev. Always serving Krishna and Krishna. And all Gurudev, Akhand Gurudev, are all the manifestations of the one thing. That I want to engage all in the Krishna service, Radha Krishna service. My duty is this. I must engage all. And who are quarreling themselves to make disciples, to be served themselves. Actually, they are not. If anyone is helping another, that he should be qualified to serve Krishna. And another is doing the same thing. Then they must be friends, because they are each other helping. Understand what I am telling you? Nityananda Prabhu is helping. And Srimati Radhika is helping also. So, there should be no family among them. They should be in friendly terms. So those who are helping all the jivas to serve Krishna, if they will see that, oh, he is also helping others to serve Krishna. So he must be friend. There will be talk, no talk of war activity. When talk of war will come, then he will say that my money he is taking. My all disciples he is taking. I am making disciples like a farm, building, farming, fighting to test myself. So if anyone is going to take that field, then I must quarrel with him.
that they see that this is my field. And by this field, I will make money, so many things. So if anyone is coming to this field, in my field, in my area or territory, like dogs, like when anyone go to America or England or France, the France government, British government or American government, they will bark, don't come. They think that the money and all things they will now share. So now, now in Kalikal, so many gurus like this, quarreling themselves that, oh, he is coming in my territory. This is my territory, this is my kingdom. I must take off. I will not give and a point of neutral also. So now there are so much fun. But we should be happy. Like Chaitanya said, Tamita, any man. Oh, Ramnath Das Goswami perhaps he has written that, oh, Giriraj Govardhan is making all Achyut Govardhan. Haridas Varja. Haridas Varja. No. So he making all Vachit Putra. So he is happy. So anyone is helping others. Narottam Thakur was making this, you know? Narottam Thakur. And in the same time, Shyamananda Prabhu was making this. Srinivas Acharya also making this. But how they were in friendly? They used to go to India, each other territory. No more. They thought that I am disciple of Narottam Thakur. Narottam Thakur thinking that I am disciple of Srinivasa Acharya. Taking their disciples like Ramchandra Khan. And Narottam Thakur, oh, he is my bosom friend. This should be like not like. Now we are all part of like a kingdom. We should be like this. Nijogotram, Sarthaka. Nijogotram and Achyutra. So, he said, why I was telling? You're saying about Shodas for saving the milk. So the milk was thinking that I should die, but she was thinking I should help him to serve. So I should stop my giving milk to Krishna. And that milk will be. So he ran quickly. Don't worry. I am giving chance to you. First, Krishna will take this makhan and your milk, base milk, and from you, butter will be made, ghee will be made, so many sweets will be made, rabdi will be made. You know rabdi? Khojan, do you know? Oh, very big. Very good, sweat, tasteful. So all will be made. And sometimes Paramananda Kheer will be made by you and I will all offer to Krishna. And thus you will serve Krishna. So he took some water.
they set the fire. And sprinkle all your sweetmeats. So a guru does like this, and he becomes happy to engage anyone in Krishna consciousness. These are the duties. So Mother Yashoda like a guru, and he comes on that guru. And he took the milk pot from the pot. And just he became so happy that milk. Oh, now there will be chance that Mother Yashoda herself engaged me in Krishna service. As Gurudev makes anyone to help to Krishna. If any guru thinks that this is my all the disciples are my property. Sometimes I've heard any so-called guru to lady devotee, now you are mine and you should give your everything to me. Now you are not in your control, but I am in control. This is very bad thing. She should be purified his affection and everything so that guru may offer it to Lord of feet of Krishna or Gaur Chandra. Disciples are not their property. They are to be engaged in Krishna service. If guru wants to test anything, even a pie, even anything for them, then he is guilty. And he will have to suffer. Guru can terrify the hearts and make it smooth, and he should offer to Krishna. That Yashoda Devi took that milk. She made usko aur jara gadha bana diya. Made it more condensed. More condensed. Gave him some sweet in that and offered to Krishna. Oh, it is very pretty to Krishna. It is very tasty. So many things. So, when the milk was pacified, subsided, or pacified, and she returned to the churning place, she saw that all the curds in mental form, they are going out of pot here and there. And there is a hole in the lower part of that pot. And just so that while running towards mid pot, Krishna was not satisfied and he became some angry, like boys become. And he was doing like this. I'm very angry. My mother left me and went to protect milk. Milk is for me or I am for milk. Understand? Milk is for me. I am not for milk. Just so that kicked me aside and went to say, what if this is bhakti? But you should know that some kind of person can think like so. But really, any lover or Mother Yashoda loves much more to the utensils used by Krishna, like his kuta, like his venu, like his anything, more than Krishna.
If sometimes Krishna makes dirty his clothes, rolling down on the earth, then Yashoda will quickly come and he will twist the ear of Krishna. Why you are doing so? So it is normal. It is for the benefit of Krishna. She is thinking so far away. But why Krishna cannot think like so? Because he is ignorant. Whether Krishna is Supreme Personality of Godhead, but in the eyes of Yashoda, Krishna is what? Small boy. A very small, having no intelligence, anything, no power, anything. She can chastise, she can do. This is Mamata, Vatsalya Bhav. So, Yashoda set the milk, keeping Krishna aside, no harm, it is bhakti. So when she returned, she saw that, where is my wash? And all curds in a liquid form, they have come out from the vessel. So Krishna, when he saw that she has come, then he became so angry and wanted to make the petal spot turn. But he saw that he cannot do it. It was so heavy, full of curd. Krishna was not so much strong to put it aside. Then, what to do? He was so clever and naughty. He saw that there is a stone, son of a stone, Siddhartha. And he took it. And he wanted to drop the vessel off from upside, but upside so thin. He could not do. Thun. But he took it and easily from the bottom. Very, very empty. So he did. And a very little hole was there. And all coming. If he was doing upside, then not so much will come. But if he will do in the bottom, then all will go. So he did so. And he was looking, oh, very good. Like a river, it didn't come. And when off, it was a stop, there was no curd in the vessel. And now she again, oh, mother will come. And with his teeth, she will come. And he will break that stick on my back. Then what to do? Now she again. And he wanted to save him. So quickly, he wanted to go in a room where there were some doors to go out. So he entered in a room. But you know that thieves have some defects in hurry. They thought that they will make any sign that he has said, he has stolen, or he has done something wrong. So Krishna was unaware that his four friends were going to follow him. So when Yashoda came and saw that my boy is not here, he quickly knew that four friends were there in entering in room. And she peeped, fish and saw. Very tiptoe. Like cats. On tiptoe. Walking on tiptoe. Even a dry lips can be speak when cats are gone. So like a cat, just for a million, more intelligent than his Krishna. She went there and saw that, oh,
And not, there are two notes. There is a local means grinding motor was there. And Krishna climbing on that and taking some butter, getting to monkeys and frogs. And sometimes taking. Why to monkeys? Oh, he remembered. He is Kritagya. Grateful to all. Those who can help or serve Krishna, at once he quickly will return. Je jathan mam prapadyante tam tathaiva bhajam. So quickly he was giving to monkeys because they have served so much in Ram Leela. Or don't slay, oh, you succeed like me. What I told? Do you want to stand up? Then don't sleep. So, the monkeys made so much service. Because they have sent him, Ram. And they have given life and soul for Ram. So now he, after so many years, he is repenting. And why to cross? Karbhoshandi was very, very high class of Vaishnav, serving all. So they are in Vansh Parampara. Same dynasty as Karbhoshandi. In dynasty of Karbhoshandi. Like in the dynasty of devotees, if the devotee is of first class, Uttam Bhagavat, then 21 generation without any effort, they will be devotee. And they will be liberated from this material. So, they were in the dynasty of Karbhoshandi. So he was also giving butter with his own hands. Krishna and Yashoda took a stick and entered like a cat very quickly, and he was standing behind the door. And Krishna was sometimes looking here and there with fear, and sometimes taking and again here, like guilty person, like crows. Always crows, standing on two feet, sometimes doing here, and he was saying, so, just so that, when he was taking, at once very quickly she ran like cats and followed Krishna. And he wanted to catch. In the meantime, Krishna saw that all the crows are flying here and there, running. Why? At once he saw, oh, mother has come so near, and he jumped in fear and ran. Yashoda saw, oh, you are very clever. You want to go out of the road so that I will have to take my bell. But today, all have gone to grinding cows. None is here. So I will quickly follow you and give a very good lesson. So Krishna was running and Yashoda was also. Yashoda was somewhat healthy. And Krishna was the bar. And he was running. But Yashoda was running more than Krishna. What is the meaning? If anyone wants to catch Krishna, control Krishna, then he will have to love more than Krishna loves you. Yashoda was loving Krishna more than Krishna used to love Yashoda. Yashoda has so much love. More than Krishna. So we should be
more bhakti man, we should have more loving affection for Krishna. Otherwise, we cannot control Krishna. So, Dasya cannot control. Shant cannot control. Asapsakya cannot control so much. Kali too can control. Mother Yashoda, Nanda Baba, or Shori can control more. So, Sikti cleared him and told Krishna, oh, see, oh, just I am hitting you. And she was ready to draw that stick towards us. Then Krishna said, oh, mother, don't beat me. What offense I have done? I have done nothing. Yashoda told me, you have done nothing. Who broke the vessel? Mother. Should I tell truth? Yes, yes. I have not broken. Who broken? Yourself, you. How yourself? Because when you are running towards limb, your ankle bell, made of gold, so thick and so heavy. At once it was caught and it was iron. She began to smile and told, you are lawyer, you are chotta. Mother, in my family, were there no liars? Oh, there was one liar in your family. Chor. And it's Chor Go. There was a Go. Milkman named Chor Go. Not in the dynasty of Yashoda, four fathers. So, Chor Go, there was. Go, named the Chor. So, Krishna was pointing this. In my family, in my father's dynasty, there is no chore, and so I am not chore, but in your family, somewhere chore, so you may be chore, but I am not chore. Oh, she began to smile. Again he wanted to, but again Krishna began to run. Yashoda began some time. Straight from his mouth, like pulse. And now her face was becoming reddish. Oh, being a child, see, and I can fall, and he has come from my home. But now you are gradually becoming tired. But flowers from his bread, they are coming down. And telling, mother, don't be worried. We are also following you, I'm helping you, so you must run away. And quickly you can catch this naughty boy. We are also with you. So when she was running, one by one, flowers were coming. So flowers are like telling like this. And at last, she took his tea, her tea, and wonderful, oh, to wait for Krishna. Krishna did like so, and in the meantime, she kept it. Krishna began to be known. Idam tarutam te muhur natra yugam amriyam param bhoryam Maharaj a studié donc hier ce verset du chapitre 9 du 10e chant de Bhagavatam où on voit que Krishna n'est pas satisfait du lait de sa mère. Yashoda a vu le legs des prêts à déborder et elle posa Krishna en lui disant s'asseoir.
malgré que Krishna s'agrippait à elle avec toute sa force divine, il fut très facile de se débarrasser de lui, de le poser par terre et de se précipiter vers le nerf. On sait qu'à Vrindavan, toutes les choses, animées comme inanimées, sont en fait conscientes. Ça, c'est le nom de la morale. Donc le lait pensé, Yashoda a un lait illimité, intarissable. Et le ventre de Krishna est gigantesque, il peut contenir tous les univers. Donc elle continuera à lui donner du lait pendant des milliers de vies, jamais elle s'arrêtera et son ventre ne sera jamais plein. Donc, il n'y a aucune opportunité pour moi de servir. Et mieux vaut donc que je renonce à ma vie, je saute dans le feu pour me suicider. Narottam Das Thakur chante Kedava Achayepin. À quoi bon rester en vie si je ne peux pas servir Krishna? Mieux vaut mourir. Nagela Marie, mieux vaut mourir. Et le lait pensé de cette façon-là. Nous sommes venus dans ce monde matériel pour servir du Maharaj. Et à Goloka, on voit que tout le monde veut servir toujours davantage, toujours davantage. Et ils pensent tous, si je ne peux pas servir Krishna, alors ma vie ne vaut absolument rien. Elle est complètement inutile. Et on va savoir, si on n'est pas engagé dans le service de Krishna, si on ne s'attend pas dans le chant, l'écoute du nom de Krishna, tout ce qu'il y a de Krishna, alors notre vie également est un zéro. Narottam Das Thakur, quand on se lamente, je ne peux pas servir, donc je veux mourir, mais je suis tellement infortuné, je n'arrive pas à mourir. La mort ne vient pas me chercher, parce que j'ai un cœur de pierre en fait. Donc le lait était là en train de contempler le suicide. Yashoda était très généreuse, la nature même d'une dévote. Elle a pensé, j'arrête mon service à Krishna de l'été et je cours pour engager quelqu'un d'autre dans le service de Krishna. Et ça, c'est le Guru Tattva. Hein? Le Guru sert toujours Krishna. Et à Tanda Guru Tattva, tous les gurus, ou toutes les manifestations du Guru Tattva, ils ont le même désir. Je veux engager tout le monde au service de Krishna. S'il y a une querelle parmi les soi-disant gurus, on va se faire de plus en plus de disciples pour qu'ils me servent. Ils ne sont des gurus que de nom. S'ils sont le vrai guru, leur seul désir, c'est de servir Radha Krishna. Et dans ce cas-là, ils sont tous amis, car ils ont tous un but commun. Ils savent qu'en fait, derrière, Nityananda aide, Radha Krishna les aide. Il n'y a pas de querelle, mais seulement de l'amitié entre eux. Ceux qui sont engagés à servir Krishna et engager les autres, ils apprécient quelqu'un qui fait la même chose, qui sert et qui essaie d'engager les autres. On voit cela dans l'exemple de Narottam Das, Shyamananda, Srinivas Acharya. Narottam Das Thakur faisait des disciples et Shyamananda aussi pendant le même temps, et également Srinivas Acharya. Et ils se visitaient mutuellement leur zone de prédication. Et chacun se considérait disciple de l'autre. Narottam Das se pensait disciple, Shyamananda, Shyamananda, Narottam Das, Srinivas, etc. Il n'y avait pas de querelle entre eux. S'il n'y a pas donc ce but commun, il y a juste une compétition. Chacun voit les disciples, sa zone comme un champ dans lequel il va pouvoir moissonner les disciples. Si quelqu'un vient dans sa zone, il dit « Ah, il va moissonner, qu'est-ce qu'il vient faire dans mon champ ?»« Ramasser ma récolte, ce champ est à moi, donc il y a des querelles. » On voit ça tellement aujourd'hui, cette tendance. Partager par ma zone, c'est chasse gardée, chasse aux disciples et garder. Il y a cette mentalité. C'est une caractéristique de Kali. Maharaj dit même, on voit ça au niveau du gouvernement, que ce soit en France, en Amérique, en Angleterre, lorsque quelqu'un vient aux frontières, ne rentrez pas. Ils ont peur que les gens viennent, ils vont devoir partager leur richesse, leur argent, leur économie avec. Il y a tellement de soi-disant gros dans l'âge Kali qui sont ainsi. Ne venez pas dans ma zone. Vous ne pouvez même pas avoir de quoi planter une aiguille comme champ de prédication dans ma zone. Un peu comme Duryodhana. On va attendre que même. Mais dans le Chaitanya-charitamrita, peut-être, Raghunath Das Goswami, il écrit que Giriraj, Govardhan, Haridas Varya, il engage tout le monde dans Achyutagotra. Il voit tous les êtres comme serviteurs de Krishna, donc il engage tout le monde dans le service de Krishna. Il fait de tout le monde une belle famille, la famille des serviteurs de Krishna. Donc, quand le gourou se considère les disciples comme sa propriété, alors, il y a des querelles, comme on voit maintenant, chacun pense c'est mon royaume. Donc, le lait, lui, pensait à se suicider, mais Yashoda, elle, pensait à engager au service de Krishna. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Ne meurs pas, ne fais pas de soucis. Avec toi, je vais faire du beurre, toutes sortes de sucreries merveilleuses, de friandises que je vais offrir à Krishna. Donc, elle a pris un petit peu d'eau et jeta sur le feu pour le faire redescendre. Et ainsi, elle l'a apaisé. Et le gourou, ainsi, il est heureux d'engager les autres au service de Krishna. Et en fait, c'est son devoir. Donc Yashoda, elle retira le lait du feu
Et l'élève est tout heureux. Oh, Yashoda me donne l'opportunité de servir Krishna et m'engage dans son service. Il était tout content. Si le disciple, si le gourou, soit, pense, les disciples sont ma propriété, alors ça c'est très mal. J'ai entendu un soi-disant gourou qui disait à une disciple, une femme, maintenant tu m'appartiens. C'est plus toi qui es en charge de toi, c'est moi. Tu m'appartiens, tu es ma propriété. Et ça, c'est très mal. Le gourou pense jamais, un vrai gourou pense jamais que c'est ici sur sa propriété. Tout ce qu'il pense, c'est comment je peux purifier leur cœur pour pouvoir l'offrir aux pieds parés de l'autus de Radha Krishna, comme une fleur. Ça, c'est la mentalité d'un vrai gourou. On doit simplement penser à engager ses disciples. Si le gourou veut jouir de ses disciples, ou même d'un centime que lui rapporte ses disciples, il ne devra pas souffrir de ça. Il est coupable. Il est simplement supposé purifier le cœur des disciples pour qu'il puisse servir Krishna et les engager dans son service direct. Donc Yashoda a pris le lait, elle a commencé à le faire réduire, à le condenser, il a rajouté du sucre de là. Elle voulait donc faire toutes sortes de sucreries pour le plaisir de Krishna, pour qu'il ait sa goût. Et une fois qu'elle a vu que le lait était apaisé, elle est revenue, et qu'est-ce qu'elle a vu? Elle avait le pot de yaourt, elle est en train de barater, avec tout le yaourt qui est en train de s'enfuir, toutes sortes de rigoles de yaourt qui s'enfuient dans toutes les directions. Et il y avait un trou dans le pot, parce que quand Krishna a vu que Yashoda le délaissait pour aller s'occuper du pot, il s'est mis en colère. Il a froncé les sourcils, il a fermé des petits poings comme font les petits enfants en colère. Et il a dit, pourquoi est-ce que ma mère m'a laissé pour aller s'occuper du lait? Le lait il est pour moi, c'est pas moi qui suis pour le lait. Elle m'a laissé pour aller s'occuper du lait, c'est ça la bhakti? Mais en fait, on sait que les grands serviteurs ou quelqu'un qui aime vraiment quelqu'un d'autre, tout ce qui attire cette personne lui est cher. Et même parfois, on dit qu'il a plus d'attachement aux choses qui rentrent dans le service de Krishna que pour Krishna lui-même. Quand Krishna parle de la flûte de Krishna, les habits de Krishna, quand elle voit Krishna par exemple qui s'allie, mais Yashoda lui tord les oreilles en disant t'es garde-moi, je te dis pas de salir. Et en fait, c'est un bhakti parce que c'est pour le bien de Krishna. Krishna, lui, comme un enfant ignorant, il ne sait pas. Mais Yashoda, elle sait que c'est pour son bien. Krishna a beau être Dieu la personne suprême, sous l'influence de Yoga Maya, il n'est pas conscient de sa propre divinité. Donc il est comme un enfant ignorant. Donc Yashoda, elle le voit dans son namata, dans son sentiment de propriété. Et là, envers Krishna, mon enfant chéri, mon Krishna que je dois servir, elle a beaucoup d'amour pour lui, elle demande tellement d'amour pour lui qu'elle fait tout pour lui sans voir qu'il est Dieu, la personne suprême, en le considérant comme son petit enfant qu'elle doit protéger, éduquer, reprendre comme un garnement qu'il est. Donc Krishna, en fait, avait voulu renverser le pot. Il avait essayé, mais il était bien trop petit pour renverser ce gros pot de yaourt. Alors, comme il n'a pas assez de force, il s'est dit, qu'est-ce que je dois faire? Comme il est tellement malin, tellement rusé, c'est un tel garnement. Il avait une pierre, un pilon, pour écraser les épices. Il a essayé de donner des coups sur le côté du pot et ça ne marchait pas. Il dit, mais par en dessous, ça marcherait peut-être. Il a donné un grand coup par en dessous et il y a un petit trou qui s'est fait et le yaourt a commencé à couler. Je dis, oh, ça coule comme une rivière, super. Et tout le pot s'est vidé. Et quand il a vu le pot vide, il dit, oulala, maintenant je vais avoir des ennuis. On en va venir, il y a le châtier cette fois-là, je ferais mieux de filer d'ici en vitesse. Donc il a voulu s'échapper dans une pièce qu'il avait sur l'extérieur. Pendant ce temps-là, Maria Yashoda arrivait, et lorsqu'elle a vu la scène, elle a dit, ah, j'ai tout compris, c'est encore ce garde-vent qui a fait un coup comme ça. Mais Maharaj dit, les voleurs, ils ont tous un défaut. C'est que quand ils, dans leur précipitation, quand ils s'enfuient, ils oublient d'effacer leurs traces. Et Krishna s'est précipité dans la pièce d'à côté, mais Yashoda, en arrivant, a vu les empreintes de ses petits pieds par les lotus qui menaient droit vers cette pièce. Donc sur la pointe des pieds, comme un chat, les chats quand ils marchent, même du feuille sèche, ne craquent pas, elle s'est approchée, elle a jeté un œil dans la pièce, et elle a vu le garnement en personne, juché sur un mortier, en train de piocher dans un pot rempli de beurre, et de s'en nourrir, et d'en donner également aux singes et aux corneilles. Pourquoi aux singes et aux corneilles? Parce que Krishna est très reconnaissant. Il est un papa d'anté. Il dit, je récompense en fonction de l'amour envers moi. Et il s'est souvenu qu'il y avait tellement de singes pendant qu'il était rare, mais c'est un rare mille, qu'il n'avait pas pu repayer à l'époque. Il avait donné leur vie pour son service, il avait aidé dans sa lila, et il n'avait pas pu les repayer. Donc maintenant, j'ai l'opportunité donc de les nourrir. Parce qu'il était dans cette dynastie. Également, pourquoi les corneilles? Parce que Kaka Pushandi était une grande dévote de Rama, très grande dévote.
Et ces corneilles appartenaient à sa dynastie. C'est comme on dit à Uttama Bhagavat, quelqu'un qui arrive au pur salut des dévotions, il libère 21 générations qui atteignent la libération sans aucun effort de leur part. Donc, Maria Shoda s'est avancée comme un chat, silencieuse, très rapide, avec sa baguette à la main. Et Krishna, qui est en train de faire une bêtise, en avait bien conscient, donc il jetait des coups d'œil furtifs de chaque côté, des coups d'œil craintifs. Comme on voit les corneilles sur leurs deux pattes quand elles mangent, elles regardent toujours sur les côtés. Et elle s'est précipitée et les corneilles sont envolées. Quand les corneilles sont envolées, Krishna dit qu'est-ce qui se passe? Il a tourné la tête, il a vu Yashoda la baguette levée, donc il a vite sauté du mortier pour s'enfuir. Yashoda a décidé cette fois-là de l'attraper, de donner une bonne correction. Mais Yashoda courait, Krishna courait, mais elle courait beaucoup plus vite que lui. Maharaj dit, si vous voulez attraper Krishna, vous devez avoir plus d'amour pour Krishna que Krishna en a pour vous. Sinon, vous ne pouvez pas attraper Krishna. Donc Yashoda, elle aime bien plus Krishna. Il a beaucoup plus de... Donc on va avoir plus de dévotion que Krishna, pour Krishna que Krishna envers nous, sinon on ne pourra pas le contrôler. Donc on dit, en Santara, on ne peut pas contrôler Krishna, en Dasya non plus. En Sakya, un peu, mais en fait, vraiment, les seuls qui peuvent contrôler Krishna, c'est bien Yashoda et Nanda, et surtout les gopis, dans leur amour pour lui. Donc Yashoda pensait, Krishna, je vais te battre. Maman, pourquoi? Mais quelle offense? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de mal. Quoi? Tu n'as rien fait? Tu veux que je dise la vérité? Mais, j'ai brisé ce pot? Même pas du tout. Moi, j'ai rien fait du tout. C'est toi qui l'as brisé. Moi qui l'ai brisé? Oui. Quand tu t'es précipité pour pour attraper le lait du feu, tu as tes grosses clochettes aux chevilles en or massif, bien épais. Tu as donné un coup dans le pot, c'est comme ça qu'il a brisé. Oh, petit menteur, tu es un garnement et tu es un petit voleur. Mais en même temps, elle souriait. Elle dit, mais dans ma dynastie, il n'y a pas de voleur. Dans la tienne, peut-être, mais pas dans la mienne. D'ailleurs, dans la tienne, il y avait un Chol Gopa, un Gopa appelé Chol, il veut dire voleur. Donc, il y a peut-être des voleurs dans ta famille, pas dans la mienne. Alors, toi, peut-être une voleuse, en tout cas, pas moi. Et Réachat entend ça, souriait aux anges. Et finalement, ils ont repris leur poursuite. Et finalement, elle a voulu l'attraper, il a détalé, elle était un peu essoufflée, elle a commencé à avoir le rouge au front et au visage. Et Krishna était un enfant très agile, donc il courait bien plus vite qu'elle. Mais les fleurs de qui décoraient la nappe, la chevelure de Yashoda, ont commencé à tomber en disant, ne t'inquiète pas, on t'aime nous aussi, on court avec toi après Krishna, on va l'attraper, continue, n'arrête pas. Donc les fleurs tombaient comme si elles l'encourageaient. Et elle a levé sa baguette, finalement elle a réussi à l'attraper, elle a levé sa baguette, il a levé la main, et cette fois, elle a réussi à l'attraper. Et là, il a fondu en larmes. We can learn something by this. Yashoda was just she was following him, running to catch Krishna. You know, bhakti is sudurlabha. Very rare. We are chanting, remembering, but yet there is some lust. Mind is not fixed. So many bad things coming in our mind. We have no taste, no nishtha. We should not be so much worry for this. We should try to follow Yashoda Maiya. She is somewhat tired, but she has promised that I must follow Krishna and catch him. I must. So we should promise that we should chant, remember such a way that a chest will come. And frame will come in my heart. So we should promise like that. So, Rupa Goswami has told that if you have no taste in chanting, remembering and hearing Harikatha, you are sleeping in Harikatha, you are
Sometimes disturbed when chanting, remembering your monks. Don't be so worried. Try to do it daily. Continuity. Like if any rock comes, like disease, like jaundice. In ancient times, they used to take as a medicine sugar cane. And gradually taking, in some days the disease used to go. And then this candy used to be tasteful, very sweet, otherwise so bitter. If it is bitter, being so sweet, then you should see that there is disease. So you are chanting very sweet name of Krishna, to whom Chaitanya Mahaprabhu used to chant when Hare Krishna, he used to be Ashtasattvic Vikar used to come, heart melting. But we see no sign of all anything. But we should not be worried. We should try to do, follow it regularly with some nirbandha, some number of fixed number. I will chant 32 rounds in morning. Otherwise, I will not take water or eat. Then you will have to give at least about 3 hours. Then you will have to be awake, give up your bedding at about 3. So from 3 to how much? 7, 6. You will have to give time. So you should say all a fixed person. And from that I will not go anywhere, go here, chanting Hare Krishna. How? Remembering the pastimes that I told, or other pastimes of Chaitanya Mahaprabhu. Being in Vrindavan, Govardhan, doing parikrama. When it is completed, then I will come, and then I will leave. Like this. I will have to chant daily. 1 lakh. And what to do? I have to give how much hours? At least 6 hours. Then we'll have to see in night, in day, I will have to distribute time for this. I must read something. I must hear something. I must try to maintain our life also by begging or by anyhow. Serving in temple or something in family. So I will have to also devote some time for that. No time of chattering, no time of chattering and all other things. One absorbing. So then you will see that very soon you will have a taste, you know, that is Krishna will be Krishna. And thus gradually Ashakti, Bhav and other. And if you are tired, hopeless, in the midway, my son is dead, I was praying Krishna, that save me, my child. But my son has died. So I have no belief in God. And then quickly, taking their Gopal Devi or anything, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, taking it to see them. And never follow Krishna consciousness. To be always energetic. Like Utsaha, Nishya, Dharya, Tattakar, like very strongly. And then you will see that Krishna. So, by these things, so many teachings are in past times. Tattva Gyan
Krishna Supreme Personality of Godhead, and he is like a boy, he is running in the galleries of Gokul. Why? Naked? Oh, he wants to play with his associates. And that is why he comes down to this world. He is so very far us that we are not chanting and remembering. So there are so many causes. That is why he has descended. We have no practically nothing, any mood. We are not unhappy. We are not so much interested to serve Krishna. But he is so much interested for us. So he stands in this world, so many his associates. And sometimes he comes in so many forms into this world, only to help us. So Krishna is doing all pastime for us. He is always objecting Ananda, because he is Ananda. Ananda Swarup and Anandi, three things. So we should try to catch Krishna, that is to have pure bhakti. Then we will be explaining evening class. You can see, so I have some duties to do. Le service d'élévation pure, quelque chose de très rare. On chante, on se souvient de Krishna, on s'absorbe dans ses livres, on voit encore tellement de concupiscence en nous, notre mental pas maîtrisé, tellement de choses impures dans le mental, on n'a pas de goût, pas de Krishna. On ne va pas se faire trop de soucis pour ça. On va suivre les traces des Yashoda. Elle est fatiguée, elle s'est jurée de faire Krishna. On doit faire la même chose. On doit faire un point. Il faut absolument que je chante de manière que le goût vraiment va venir. Il va donner un résultat. J'aurai vraiment l'amour de Dieu qui va vraiment jaillir dans mon cœur. Mon Bhagavad Swami nous a laissé un encouragement pour aller chanter la même. Si vous n'avez pas de goût pour le chant, pas de goût pour la récapitulation, vous encornez, vous trouvez pendant le chant des moments, vous ne faites pas de soucis. Continuez, persévérez. Ne désespérez pas. On voit parfois que quelqu'un qui est affecté par la jaunisse, quelqu'un affecté par une maladie qu'on appelle la jaunisse. Quand quelqu'un a la jaunisse, autrefois en Inde, le médicament qu'on lui donnait, c'était du sucre candi. Et sauf que quand on a la jaunisse, le sucre candi est très amer, il a un goût détestable. Et si quelqu'un continue à prendre ce sucre candi, probablement le goût naturel, sucré du sucre va revenir. Donc si. Quand quelqu'un trouve le sucre amer, il faut dire que sa maladie n'est pas partie. De manière dont Bhagavad Gita dit, le nom de Krishna est tellement doux. On voit Mahaprabhu qui, lorsqu'il le chantait, tombait en extase, avec tous les symptômes d'extase, Astasavikapad. Il pleurait tellement, et ce nom, pour nous, il est encore amer. On n'a pas de goût pour lui. Donc on peut comprendre que notre maladie, le choix de la prière, est encore présent. En pensant une fois que j'aurai fini, je bougerai d'ici, mais tant que je n'ai pas fini mes tours, je ne bouge pas. Et plus loin, on va prendre la décision, aujourd'hui, je vais à partir de maintenant chanter un lac de noms, ça veut dire 64 tours. Ça va prendre au moins 6 heures. Il va falloir s'organiser pour ça, organiser sa journée en conséquence. Parce qu'on a pensé, il faut que j'écoute un peu, je chante, que j'étudie, également il faut maintenir ma famille, peut-être en mendiant, peut-être en travaillant, d'une manière ou d'une autre. Alors que je m'occupe, je remplisse toutes mes fonctions, mais il faut que je chante mes 64 tours. Donc on va automatiquement bien organiser son temps. Et là, il n'y a plus de temps pour le bavardage, plus de temps pour les querelles, plus de temps pour les choses futiles. Et si on fait ça très rapidement, on va pouvoir obtenir le contrôle de son mental et après le contrôle de Krishna. Maharaj dit très bien asakti l'attachement à Krishna, brave l'extase va venir. Mais on voit souvent des gens qui chantent, qui pratiquent la conscience de Krishna, et puis leur fils meurt. Et là, ils disent, comment ? Je chantais et mon fils est mort. Et on les voit qui emmènent leur bonté, qui les jettent dans la mer, dans la Jamuna, qui abandonnent la conscience de Krishna. Ne faites jamais cela.
Qu'est-ce que dit Goswami? Soyez fort, Utsaha Nishchaya Dharyat. Soyez patient, enthousiaste et déterminé. Soyez convaincu et soyez persévérant. Krishna, si vous pratiquez la conscience de Krishna de cette façon-là, si vous chantez de cette façon-là, va venir très rapidement sous votre contrôle. On peut donc voir que dans un lila, qu'on a entendu déjà tellement de fois peut-être, il y a tellement de tattva, tellement d'enseignements qui sont là. On voit que Krishna, bien qu'il soit Dieu la personne suprême, il est un petit enfant tout nu qui court dans les rues de Gokul, qui veut jouer avec ses compagnons, avec ses compagnes. Et c'est pour ça qu'il descend dans ce monde matériel. Il se soucie de nous. Il voit qu'on n'est pas engagé dans son service, et donc on en souffre. Et donc il vient pour notre bénéfice. Et nous, on n'est pas si inquiet que ça. On n'est pas si intéressé par la conscience de Krishna que ça. Mais lui, il se soucie tellement de notre intérêt. Lui, il s'intéresse vraiment à nous. Et c'est juste pour ça qu'il vient. Il vient lui-même. Il vient lui-même sous tellement de formes. Il envoie ses compagnons. Ouais. Et si on veut attraper Krishna, il faut développer la pure bhakti, qui est la seule façon qui permet de le mettre sous contrôle. Seulement la pure dévotion contrôle Krishna. Dans le Bhagavatam, Krishna dit qu'il n'y a rien d'autre que la pure dévotion qui permet de le conquérir. Voilà. Allez, Krishna. Est-ce qu'il y a des questions peut-être de personnes qui voudraient des éclaircissements ou des...